C'est ce que je crois entendre derrière mes emails, des gens que j'inonde avec mes emails. Et voilà, je me suis dit, je vais faire cet email parce qu'il y en a certains qui sont comme ça. Voilà, Gudrun, je la boude et je ne lis plus ces emails. Oui, je comprends, je suis désolée. Donc ici, je fais cet email parce que... Ah non, c'est une vidéo, ben voilà. Pour expliquer un peu, bon bah... Je suis en train d'apprendre, je ne maîtrise pas encore ce bazar. Comment on écrit des emails à des gens qui sont intéressés par ce que tu fais? Parce que moi, voilà, qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi je suis connue? Je pense que j'ai été connue pendant 30 ans pour la danse orientale, mais maintenant je commence, j'espère quand même, à être connue pour le féminin sacré, pour le travail sur le féminin sacré, et la force des femmes, l'intuition, confiance en soi, etc. Et ce dernier temps, depuis le mois de septembre, vous m'avez vu parler des tonnes et des tonnes et des tonnes de Sigrun, qui est ma coach, ma business coach. Et puis alors les gens, ils ne s'y retrouvent plus, et ils reçoivent plein d'emails de ma part, et ils en ont... sont gentils, ils disent rien. Mais je pense que, voilà, il y en a aussi plein qui quittent le navire. Et voilà, je voulais faire cet email ici pour me excuser de cette manière de vous inonder de mes emails et de vous bombarder avec tout ce que je fais et l'expliquer un peu ce qui se passe, comme ça on va me pardonner. Et j'ai aussi cette nature, ça vous aurez peut-être déjà remarqué, où je suis un peu trop enthousiaste. Mais j'ai plein d'énergie et j'ai toujours eu plein envie de faire des choses. Et c'était un handicap au début de mon business de savoir qu'est-ce que je voulais faire. Donc, heureusement, maintenant, j'ai compris ce que je fais et j'ai compris aussi comment ça tient ensemble, mais ce n'est pas forcément le cas des gens qui sont dans mes emails. Donc voilà, ce que je veux expliquer ici, c'est moi, je fais plusieurs choses. Je fais ici dans ma Chandra Room, les soins énergétiques et les vibrations, la symphonie des vibrations. Pour ça, il faut venir à Louvain-la-Neuve. Puis à Bruxelles, je donne des cours. Je donne des cours de danse orientale et à la Commission européenne, je donne des cours de well-being de différentes sortes. Ouais. Et à part ça, je fais du coaching individuel ou en groupe et des cours online. Voilà, point barre. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant avec Sigrun? Eh bien, Sigrun, ça c'est ma coach qui m'a permis de porter ma passion et d'en vivre. Et elle est juste fabuleuse et géniale parce que sans elle, j'aurais beau... eu toutes ces passions et être peut-être excellente ou bon dans ce que je fais, mais personne n'aurait su. Et puis, comment tu fais? Comment tu fais pour être présent sur Internet? Ben moi, je ne savais pas, franchement dit. Et donc, c'est grâce à elle que je parle ici dans cette vidéo, que j'ose même le faire. C'est grâce à elle que je sais quoi faire avec mon site web, que si je veux faire un coaching en individuel, comment je... peut faire un post sur Facebook pour qu'il y a quelqu'un qui comprend. Voilà, les emails, ça aussi. Quelque part, j'ai appris la technique, évidemment, et aussi de manière de les écrire. Maintenant, là, j'avais parlé dernièrement avec elle. J'ai dit, écoute, je crois que j'ai tué ma liste. Je crois que là, plus personne n'a envie de me lire parce qu'il y a simplement trop. Et d'ailleurs, plus personne ne comprend rien. Et puis, voilà, elle m'a donné des conseils. Donc, ça ici, cette vidéo ne m'a pas donné ça comme conseil. Mais moi, je sentais que je devais le faire. Donc, je n'ose même pas écrire un email pour dire écoutez-moi là, je m'excuse. Mais franchement, ce qui se passe, c'est que je suis encore en train d'apprendre. J'ai 1000 personnes sur ma liste. Ces 1000 personnes sont là depuis des années, parfois, et parfois seulement depuis un court moment. Et ce n'est pas forcément. Parfois, je n'ai que le email de la personne. Parce que j'ai le prénom et l'email. Et cette personne n'aura peut-être même pas cliqué pour dire je m'intéresse à ça, je m'intéresse à ça. Parfois, je ne sais même pas où elle habite. Alors, qu'est-ce que je dois faire? J'ai quelque chose qui me passionne, comme ici, par exemple, de communiquer quand même que si tu as une passion et que tu veux en vivre, il te faut quelqu'un, prends Sigrun. Et j'envoie ça à tout le monde. Après, moi maintenant, je commence à comprendre comment je peux faire, de savoir si j'envoie un email comme ça, il y a quelqu'un qui l'ouvre, quelqu'un qui clique, c'est quelqu'un qui est peut-être intéressé par le sujet et d'autres personnes pas. Et là, je peux un peu séparer les choses, puisque dans mon business, dans mes activités, tu as des activités à Bruxelles, tu as des activités à Louvain-la-Neuve et puis tu as des activités online qui sont peut-être là pour tout le monde. Donc voilà, c'est ça qui se passe, ok?
Donc, ne vous inquiétez pas si je vous inonde des emails, vous n'êtes pas obligé de les lire. Hein. J'essaye dans le sujet de quand même mettre de quoi je vais parler. Cliquez, moi je fais ça avec les gens qui envoient des choses. Il y a des gens que simplement j'aime. J'aime ce qu'ils font. J'ai peut-être pas le temps tout de suite, mais ils restent dans ma boîte. Vraiment. Et même s'ils envoient beaucoup d'emails, parfois je suis contente qu'ils me rappellent. Reste. Donc faites comme ça avec si vous aimez ce que je fais, faites comme ça. Vous les ouvrez, vous lisez en diagonale. Ok, ça c'est si gros, nous c'est pour faire un business, m'intéresse pas. Ça c'est la danse orientale, m'intéresse pas. Je vais essayer de devenir, de gérer ça mieux à l'avenir, ça c'est promis. Mais pour le moment, si je vous envoie plein d'emails, eh ben regardez vite vite fait ce qu'il y a dedans. Écrivez-moi parfois une petite réponse, ben, ça serait trop gentil parce que dans les 1000 personnes que j'ai, il y a quelque chose entre 14 et 20% qui ouvrent et lisent. Et jamais je reçois une réponse. Je sais que c'est comme ça pour tout le monde, mais j'aimerais beaucoup avoir des réponses. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Qu'est-ce qui te chiffonne dans ta vie pour le moment? Pourquoi pas me répondre à un email là, hein? Alors peut-être que tu vas les formuler autrement pour que j'ai des réponses, mais je ne sais pas. Comme j'ai dit, je suis en train d'apprendre. Donc, je m'excuse de t'inonder avec mes emails. Sache qu'en ce qui concerne tout ce qui est ce programme Zumba que j'ai acheté Sigrun, ça c'est fini le 26 septembre. Donc là, je ne vais plus en parler jusqu'à janvier, mon ami, parce que le programme est fermé. Et si ça t'intéressait et que tu n'as pas, tu t'es pas inscrit, bah, tu l'as juste raté. Moi, j'aurais fait tout ce que je peux pour communiquer cette opportunité-là. Juste au mois d'octobre, il va y avoir un challenge. Yes! Challenge du féminin sacré. La magie d'être une femme. Puis il va y avoir un cours online de 1 mois, nouveau, comme on a fait au mois de juillet. Un peu fait d'une manière un peu plus professionnelle. J'y travaille déjà tout plein. Et puis toutes les autres activités à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles restent évidemment à ta disposition. Et si tu cherches quelqu'un pour un coaching individuel, eh ben, contacte-moi. Ça peut se faire. Online, offline, tu as des journées VIP ici. Donc, il y a des possibilités pour travailler avec moi dans les choses, dans le domaine de mes activités. Voilà, j'espère que là, j'ai expliqué et j'espère que toutes celles qui ont été un peu embêtées par le fait que j'envoie trop d'emails et qui se perdent dans mes emails vont avoir un peu d'indulgence et de comprendre un peu ce qui se passe. Faut dire que là, je suis quand même au début, hein. J'ai commencé le 1er septembre. Je suis au début de mon petit business, chérie. Et j'apprends, j'apprends, j'apprends. Je dois apprendre méga vite et j'apprends beaucoup de choses. Donc, voilà. J'y travaille jour et nuit presque. Franchement, cette nuit, je me suis. Je peux pas, je devrais pas le dire. Même si je me suis couchée à 4 h du matin parce que je voulais finir un truc. Ce soir, il y a ce webinaire avec Sigrun et je voulais vraiment que tout le monde sache. Et donc, j'ai fait un email. Et donc j'essaye le week-end de récupérer le sommeil parce que je suis trop passionnée. Le matin, je me lève, je ne sais pas attendre de me lever. Et le soir, je ne sais pas m'arrêter. C'est pas bon. Donc je dois être ma propre élève et faire ça un peu mieux. Mais voilà, ça va se calmer. Ne vous inquiétez pas. Je compte sur vous ici pour de temps en temps me dire les choses et peut-être lire ou écouter mes vidéos et me donner un petit feedback, ce serait très très chouette. Ici, il y a le commentaire, si toi tu peux me mettre là-dedans ce que tu penses de mes vidéos, par exemple, que je fais ici. Qu'est-ce que tu penses de cette idée de partager ma passion pour mon coach qui m'a aidé à faire vivre mon business? Qu'est-ce que tu penses de fait de faire 15 vidéos qui t'aident à vivre ta passion? Pas encore vivre de ta passion, vivre ta passion, faire de l'espace pour ça. Qu'est-ce que tu as pensé de mes 24 vidéos où j'ai expliqué mon parcours, etc., etc. Donc, voilà. Oups, ben voilà, même mon téléphone est à 15%, on va arrêter. Bien, une très belle journée à tout le monde et très contente que tu écoutes ici ma petite vidéo de mea culpa. Et j'espère que, voilà, c'est pas si grave et que ça, je vais m'améliorer, promis. Ok, à bientôt, très belle journée.